Gavrel, une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens. Je fais visiter. Vous nous accompagnez? Je vous laisse, Magali, rester. Non, non. On va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour, la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en indien et on fait les retardataires. Ils nous ouvrent la porte et hop, 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 on est libre. Et comment on se repère dans le désert? On suit les traces de chariots. Elles nous mèneront droit à Old Gulch. Au revoir! À bientôt! Surtout, n'hésitez pas à revenir! Hugues, nous en retard. Besoin rejoindre groupe Fissa Fissa. Les poules! Elles se sauvent, mais qui a laissé la porte ouverte? Là, les traces! À nous, Old Gulch, c'est saloon! C'est banque à braquer! C'est banque. Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Allez, à la niche! Va coucher! Voilà, je les stresse, c'est pas bon pour les yeux! Je vais les surveiller de loin. Oh! Quelqu'un a emmené la piste! Old Gulch est à l'est. Faut aller à l'est. C'est où l'est? À droite de l'ouest quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord? Au nord du sud. Et le sud? Fais pas malin, vous, cache-cache. Ouh, les poules, où êtes-vous? Oh, un autre poulailler. Hein? Peut-être qu'ils ont vu mes poules. Tiens, un coq, je vais lui demander. Je le reconnais, c'est le chien du pénitencier. Il est un peu... simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore raté. J'ai soif. Il faut lécher sa sueur. J'ai lu ça dans le guide du désert. Saleté de lézard. Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette! C'est ma tournée! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules? Des poils? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes? Ils nous ont retrouvés! On détale! C'est quoi ces âneries? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais?
que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. T'as qu'à les fermer en marchant. Ah ouais? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre? Jamais! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. On peut voter? Bon, on s'arrête 5 minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vautour par terre, espoir en l'air, vautour en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé loup cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature.